Le parti pris dans le hall des manips, c'est de montrer la recherche en train de se faire. Et donc du coup, on va tous les 3 mois présenter un laboratoire ou une thématique scientifique avec des manips. Donc des manips qu'on a sortis du laboratoire, telles que vous pourriez les voir si vous alliez dans le laboratoire, où c'est souvent impossible d'aller. On vit la recherche en train de se faire et donc on va participer à des expériences, une tornade, voir un banc de sable se déplacer. Donc là, en l'occurrence, la première exposition sur la mécanique des fluides, on va voir des liquides différents et voir la réaction et les déplacements de ces liquides. En appuyant sur un petit bouton, on génère une bulle d'air dans chaque tube. Dans le premier, on a une bulle assez sphérique. Et dans un deuxième fluide, on voit une bulle qui ressemble à une goutte d'eau à l'envers. Et ça, c'est caractéristique d'un fluide viscoélastique. Il y en a un qui est très connu, c'est le shampoing. Ça illustre un domaine de recherche qui s'appelle la rhéologie. Et des applications concrètes de ce genre de recherche sont les études dans les milieux pétroliers. J'aime bien me tenir au courant de ce qui se passe et du coup c'est super intéressant de pouvoir avoir des stands concrets où on a des mises en application de toutes les théories qu'on a apprises jusqu'ici en fait. J'aime bien le côté on expérimente, d'avoir les questions, d'expérimenter et après d'avoir des éléments de réponse sur ce qu'on a expérimenté.